Thank you for watching Conscious Consumer Network. The live stream broadcast is free to view. You can pause and rewind live broadcasts to catch up, or view shows at a later date by accessing our free archives of all shows. Check out our broadcast guide to see what's on. You can show your support by donating to our network support fund. Follow us on Facebook and Twitter, or subscribe to the monthly newsletter for updates. We thank you for supporting free and independent media. Bonjour à tout le monde, ici Richaël pour la suite donc de ce qu'on était en train de parler la dernière fois. Comment vas-tu, Mélodie? Ça va bien et toi? Ça va, déjà beaucoup mieux que la dernière fois. Beaucoup mieux que la dernière fois. Ça se voit même sur ton visage. Mais bon, donc... Aujourd'hui, on avait dit qu'on allait parler, on allait passer donc directement au sujet, plus précisément sur les pyramides. C'est bien ça, hein? Ouais. J'allais un peu rappeler de quoi on a parlé la dernière fois. Donc, j'étais en train d'expliquer un peu qu'il fallait déjà comprendre et avoir une certaine compréhension par rapport à tout ça. Au fait qu'on ne sait rien, pour commencer. Se rappeler, c'est pas qu'on ne sait rien, mais on ne sait pas grand-chose. De se remettre dans ce point de vue-là. Pourquoi on ne sait pas grand-chose? Je t'ai expliqué déjà actuellement la table qui est en face de toi, tout ce qui nous entoure, en fait, elle bouge, c'est vivant, ça bouge, c'est de l'énergie. Et ces énergies sont composées d'atomes, ces atomes, elles bougent, elles sont tous en train de bouger, elles circulent. Mais nous, si tu vois bien ta table, elle bouge pas. Si tu vois les objets autour de toi, elles bougent pas. Malgré tout, elles sont composées d'atomes, de molécules et tout le reste, donc de certaines choses qui bougent. Donc déjà, les yeux, si tu fais une petite analyse, si tu peux faire des recherches, ne voient pas tout. Il y a une gamme de certaines choses qu'on ne voit pas. Tout ça à voir avec des vibrations. Je peux même, en fait, pour commencer, déjà te donner un petit exemple. Pour rappeler aussi de quoi je parlais la dernière fois, hein, ce que j'étais en train de t'expliquer la dernière fois. En fait, pour comprendre les vibrations, j'ai utilisé ce mot vibration aujourd'hui, pour comprendre les vibrations, puisque tout est vibration, ces atomes, tout vibre, tout a des ondes, tout vibre. Imaginons, on va dire, imaginons un pneu. Dans ce pneu, j'ai un petit bâton là. Le petit bâton est autour du pneu. Et je vais faire tourner le pneu. À force de le faire tourner, déjà, il va faire... Et je vais augmenter à chaque fois sa rotation. Il va faire... On est d'accord? On est d'accord. Ok. Et bien, après ça, déjà là, si tu remarques bien, il a fait tous les sons. Tu es d'accord avec moi? Il a fait tous les sons qu'il y a, du plus lourd au plus aigu. Et puis, je continue à accélérer sa rotation. Elle va faire jusqu'à ce que tu vas voir le frottement entre le pneu et l'air. Si tu vois le frottement entre le pneu et l'air, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle va créer du rouge.
Tu vois, le frottement entre le pneu et l'air, à une certaine vitesse, ça crée des étincelles, donc ça crée un peu de feu, donc ça crée du rouge. On est d'accord? Ok. Après le rouge, elle va passer à l'orange. De l'orange, elle va passer au jaune. Du jaune, elle va passer au vert. Du vert, elle va passer à homo, vindigo, et puis au violet. Du violet, elle va tourner, elle va tourner, elle va tourner, jusqu'au moment où, piou, elle va disparaître. Elle disparaît, elle va où? C'est ça la bonne question. Ouais, mais oui. Tu vois, c'est ça la bonne question, en fait, logiquement. Bon, c'est ce qui est, mais je ne sais pas si les scientifiques en parlent déjà, mais elle sera dans la même place. Bon, là, je suis allé peut-être un peu trop loin. Bon, on va revenir. Déjà, elle va passer encore des étapes. Là, elle passe déjà ce qu'on peut voir. Donc, les ondes qui sont visibles à l'œil nu. Ouais. Après, elle va dépasser les ondes qui sont visibles à l'œil nu. On ne peut plus la voir. Elle sera toujours là, mais on ne peut plus la voir, puisque les yeux ne sont pas capables de la voir. Donc, déjà, pour commencer, il y a une grande gamme de choses qu'on ne voit pas, que ce n'est pas possible de voir. Déjà, l'air qu'il y a entre toi et le PC dans toute la pièce, tu peux le voir? Non. On ne peut pas le voir. Pourtant, c'est de l'air. Il n'y a pas rien. Hein? Il y a quelque chose ici entre moi et toi. Et ben tout ça, là, c'est de l'air. On ne peut pas le voir. Pour dire, le téléphone, les messages qui arrivent dans ton téléphone, comment ton téléphone vibre? Tu peux voir comment ces ondes passent de... On ne sait pas le voir. Internet, le Wi-Fi, tu ne peux pas le voir. Pour dire qu'il y a beaucoup de choses déjà qu'on ne sait pas voir. Si on sait ça, tu acceptes ça déjà. C'est ça le principal. Tu acceptes déjà, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas voir. C'est normal qu'on n'en parle pas, puisqu'on n'en parle pas à l'école. Attends, excuse-moi deux secondes. Excuse-moi. Oui. Bon, je vais quand même continuer pour les téléspectateurs qui sont en train de m'écouter. C'est normal qu'on n'en parle pas puisqu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Il n'y a personne qui nous apprend ça à l'école. Donc, c'est tout à fait normal. À part certains, on va dire, certains cours spécifiques qui pourraient en parler. Mais... Non, c'est pas grave, t'inquiète. Donc, à part certains cours, je disais, on n'en parle pas en fait. Hein. Tu vois, c'est des choses qu'on ne parle pas à l'école. Oui, c'est normal qu'on ne le sait pas. J'ai compris de quoi tu parlais quand je suis arrivée, t'inquiète. Okay. Peut-être à part certains cours spécifiques, mais bon, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Et je t'expliquais, il y a beaucoup de choses aussi qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas. Il faudrait déjà l'accepter, se dire que non, on ne nous a pas tout dit, on ne nous a pas tout appris. Si vous voulez des preuves, allez les chercher. Il y a Internet, il y a plein de choses. Allez les chercher, vous comprendrez, vous verrez. On ne parle pas de conspirationnisme ou quoi que ce soit. Non, c'est simplement qu'il y a des choses qui sont là qu'on ne voit pas. Et je ne suis pas allé loin, hein. Je t'ai parlé de choses très simples. Oui, non, puis oui, autour de toi, tu n'as pas besoin d'aller très loin. Bon, à part ça, il va arriver à un certain moment, en fait, cette vibration, où elle va arriver, elle va être à un point et partout en même temps. Comment c'est possible? Tu peux être à un point et partout en même temps. Mais bah, de toute façon, c'est quelque chose... Je te parle de ce pneu, hein. Donc après avoir dépassé toutes les vibrations... Ouais. Elle va passer à un certain point où tu ne peux pas voir. Et après, elle arrive à un point où elle est partout, elle est ici et partout en même temps. Parce qu'on c'est le un voit. Peu compliqué. Ouais. Ok. Je comprends. Ce n'est pas grave. Mais c'était juste pour t'expliquer la suite de la vibration, en fait. Tu vois? C'était juste pour t'expliquer déjà comment marche. Et cette vibration vaut pour toutes les molécules, tous les atomes, tout ce qu'il y a autour de toi, elle vibre. Certains que tu peux voir... Certaines choses que tu ne peux pas voir. Et des choses qui arrivent à une certaine vibration, oui. Elles sont ici et partout en même temps. Okay. On va en reparler. À part ça, pourquoi j'explique tout ça? C'était un peu pour nous remettre dans le bain, qu'on ne sait pas tout. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Demain, la prochaine fois, la prochaine semaine, quand on va faire une prochaine émission, je vais encore t'expliquer un truc qu'on ne sait pas. Un truc tout simple, tu verras. Tout simple, juste pour montrer qu'en fait, on ne sait rien. On ne sait pas grand-chose. Bon, à part ça, je voulais qu'on parle aujourd'hui un peu de ce que, pour quand même les personnes sceptiques, je sais qu'il y en a beaucoup, et même pour nous, ça intéresse tout le monde, en fait, c'est ce qui est, c'est ce qu'il y a là, c'est ce qu'on peut voir, palper. Vous avez... on a les pyramides. Il n'y a pas qu'une seule pyramide en plus. Il y a plusieurs pyramides qui entourent toute la Terre. Mais elles sont là, toutes ces pyramides sont là.
elles sont construites de façon illogique, on va dire. Illogique pour qui? Logique pour la connaissance qu'on a actuellement. Mais sinon, elles sont là avec des nombres d'or qui datent de plusieurs centaines de milliers d'années. En plus, on ne peut pas les dater précisément parce que on va dater la roche, mais on ne sait pas dater quand elle a été sculptée. Tu vois encore la différence? On ne sait pas exactement dater, mais déjà même à ce temps-là, logiquement, on était des homo sapiens, des bonobos, si on peut dire ça. On était carrément des bonobos. Et comment on a fait tout ça? Comment c'est possible? Avec des pierres et des maillets, c'est pas possible. Tu es d'accord avec moi ou pas, Mélodie? Oui, je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et toi, qu'est-ce que tu en penses déjà? Tu as fait des petites recherches, tu as pu voir un peu ce qu'on dit des pyramides, de tout et ça? J'en pense que non, c'est pas possible, tu vois, et que c'est très bizarre. Surtout comment elles ont été mises, comment elles sont montées, la taille qu'elles faisaient, le poids qu'elles faisaient, c'était pas possible. Et du coup, oui, c'est pas possible. Comment elles ont été vraiment bien, bien alignées, comment quoi il y a 8 côtés, comme quoi il y a... Tout est calculé, mais vraiment au centimètre, millimètre près. Et c'est des choses que même au jour d'aujourd'hui, on ne sait pas le faire et on ne comprend pas pourquoi. Et pourquoi? Justement, pour comprendre ça, je vais t'expliquer, en fait, j'avais préparé quand même. C'est des choses que je fais déjà depuis des années, en fait. Hein. Je faisais ces recherches depuis des années, mais bon. Et je disais, en fait, c'était le premier, deuxième et troisième. Pour expliquer quelque chose avant de pouvoir comprendre tout ça. On va dire, ils nous ont laissé des monuments et des vestiges qu'on puisse témoigner de leur existence et connaissance. Mais êtes-vous prêt à vouloir remettre en question toutes vos connaissances? Arrêtons de dissoudre Dieu. Comment pourrait-on comprendre l'être en entier si nous dissocions tout? Dieu ou créateur n'abandonne jamais ses créations. Il y a des monuments, des endroits, des écritures, des histoires, des images, des calculs. Celui qui cherche trouve. Ceux qui ont les yeux pour voir et sont prêts à voir verront. Ceux qui ont des oreilles pour entendre et sont prêts à t'entendre entendront. Ceux qui sont prêts à comprendre, ceux qui le veulent vraiment et font le nécessaire pour comprendre, comprendront. L'univers nous répond toujours comme ça. Elle vibre en fonction de ce que tu lui donnes. Imagine si tu veux comprendre l'histoire, mais personnellement, tu es têtu de façon à ce que tu es persuadé de connaître l'histoire, tu es persuadé que tes propres connaissances, c'est ce qui est, il n'y a que ça. C'est le summum de la connaissance, où il n'y a pas mieux. Comment tu pourrais comprendre toutes ces choses-là? C'est quasi impossible, je ne sais pas. Pour moi, c'est quasi impossible. Déjà, ne dissocions rien du tout. Quelqu'un qui veut comprendre quelque chose, il doit se mettre en état d'observation, de compréhension, de prendre de l'information. Ce n'est pas commencer à chercher, oh, qu'est-ce qu'il n'a pas là? Non, là, ce n'est pas bon, ça, on met de côté. Oh, ça, on met de côté. Non, 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 ce n'est pas ça. C'est justement de pouvoir tout relier, de tout entendre, de tout comprendre et se dire, et de prendre ce qui te plaît si tu veux. Tu prends ce qui ne te plaît pas, tu laisses. Mais ne commence pas à aller chercher la bête rose dans cette histoire qui est que, non. L'information, elle est partout sur Terre. On a toute la Terre, on n'a que de l'information. Soyons ouverts et on pourrait les avoir. À part ça. J'allais venir un peu plus loin pour dire que toutes ces civilisations, donc on va dire, il n'y a pas que les Égyptiens, ces anciennes, l'Égypte antique en plus, il n'y a pas que, il y a les Amérindiens, les Indiens d'Amérique, qui ne sont pas les Indiens d'Amérique, mais bon, qui ont aussi leur civilisation, on va dire, leur savoir, leur connaissance qui sont là. Il y a des gens qui font des découvertes, vous pouvez en trouver sur Internet. Il y a du tout et du n'importe quoi, mais vous trouverez ce qu'il y a besoin de trouver de bien. Il y a les Mayas, il y a les Aztèques,
Il y a les Incas. De l'autre côté, les anciens Chinois des temps des Yin ou Yin, je ne sais plus exactement. Il y a vers les Indiens. Il y a partout, partout, partout. Regarde ce qu'ils nous ont laissé. Regarde. Ils ont tous une écriture hiéroglyphique ou idéographique. Tu peux comprendre? Tu comprends ce que ça veut dire? Oui, je comprends. Ok. Donc, ils ont une écriture... ils vont écrire quelque chose par rapport à quelque chose, ils ont dit idéographique, mais après, je vais même pas donner de commentaire là-dessus. En fait. Non. Bon, tous baptisent ce genre de construction, ce genre de pyramide avec des... Ces pyramides sont faites grâce à des nombres infinis, des nombres d'or, des nombres, le nombre pi, qui, à nos connaissances, on les connaît qu'il y a récemment, hein. Il n'y a même pas quelques centaines d'années. Mais ces constructions qui datent de je ne sais pas combien de temps, ils l'ont tous. C'est fait à partir de tout ça. À des endroits précis, à des moments précis. Bref. Ouais, en gros, il y avait une connaissance avant nous, mais vraiment très, 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 très élargie. Et que nous, on est arrivé là et qu'on ne connaît absolument rien, tu vois. Et exactement. Et que justement, il y a des preuves d'autres existences. Et qu'il ne faut pas qu'on s'arrête à nos vérités générales, entre guillemets, puisque c'est bien plus loin que ça. Exactement. Ben, tu vois, totalement d'accord avec toi, et c'est exactement ça. Et en plus, donc, tous essayent d'exprimer quelque chose en écriture ou dessin, tous momifient les corps. Donc déjà, ils essayent tous d'exprimer quelque chose, donc d'exprimer un savoir, d'exprimer une histoire, d'exprimer quelque chose, d'exprimer, on va dire, quelque chose, tout simplement. Et... pour l'exprimer, ils ont tous une écriture ou soit un dessin ou si je pense c'était les Incas ou je ne sais plus, oui, les Incas, ils avaient un sorte, eux c'est encore autre chose, bref, j'ai oublié le nom, c'est pas grave. Pour dire que tous essayaient d'exprimer quelque chose. Ils avaient déjà une écriture, ils avaient déjà des dessins, ils avaient déjà une façon symbolique de représenter certaines choses. Ça date pas d'aujourd'hui. Ça date d'il y a des... Tous ces gens-là le faisaient déjà. Donc, logiquement, on était des Homo sapiens. Mais en fait, avant, ils faisaient déjà des choses qui, on peut dire, nous surpassent, nous, actuellement. On continue. Des concepteurs de calendrier, donc, au savoir, en astronomie et en équinoxe. Comment c'est possible? Ils avaient des observatoires pour observer les étoiles. Ils connaissaient les étoiles. Ils connaissaient même, comment on peut dire, ils avaient même leur nom pour certaines étoiles que nous, on a juste changé les noms. Mais eux, ils les avaient déjà. Comment c'est possible? Si sincèrement, ils étaient là avec des cannes encore et tout ça, comment ils connaissaient les étoiles? Ils les connaissaient parfaitement. Ils connaissaient même les cycles du temps. Les équinoxes. Comment c'est possible? Ils sont très forts. Soit ils sont très forts, soit je sais pas. Hein. Franchement, c'est à se poser la question. Est-ce qu'ils avaient une ouverture à la connaissance, mais que nous on n'a pas. Qu'est-ce qui nous empêche alors d'avoir cette connaissance? Rien, c'est juste qu'on a été basé sur des fausses vérités tout simplement et qu'on croit à ce qu'on nous a dit et fort, fort, fort. Alors que au final. On ne sait rien. Ouais. En fait, c'est. Tu vois pourquoi j'insistais au début du fait de vouloir vraiment se mettre dans une position de on ne sait rien. Parce que si quelqu'un se dit on sait tout et qu'il commence à lire tout ça, il va se dire quoi? Mais c'est pas possible. Mm-mm. Il va même pas lire. Il y a certaines personnes qui ne vont même pas lire ça. Ça ne leur intéresse pas. Mais pourtant, c'est là. Je vais continuer. Hein. Des manières de cultiver hors pair. Donc. Avant, ils cultivaient mieux que maintenant. Comment c'est possible? Attends. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, nous, on ne soit pas comme avant? Ça, tu vois, c'est la bonne question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous, on ne soit pas comme avant? On dirait en fait qu'avant, ils étaient plus évolués. Ben oui. Et nous, on a... on a descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'on descend alors que, logiquement, on évolue, non? Oui, parce qu'avant, l'ego n'existait pas, peut-être. Non. T'as dit quoi? L'ego n'existait pas auparavant. Il n'y avait que de la lumière.
Mais je peux pas me permettre de dire ça. Tu vois, c'est un peu plus. Peut-être que c'est apparu plus tard et que du coup, il y a eu un choc, un truc qui s'est passé sur la Terre avec les étoiles, avec plein de trucs, et que du coup, il y a eu une nouvelle structure en nous. Tu vois? C'est qui t'a dit tout ça? Ça sort d'où tout Mais... ça? Non, Dis-moi. c'est sorti de ma tête, tu m'avais pas encore parlé de ça. J'aurais dû avoir Non. une Ali, enfin bref. Non, franchement, la réponse était déjà magnifique. C'est C'est ça. C'est pas ça, je vais dire. C'est la compréhension. En fait, tu auras toujours de plus de. Comme je te dis, c'est se mettre en position, je ne sais rien. Puisque tu vas avoir une information et tu vas te dire, ah oui, j'ai compris comment ça se passe. C'est comme ça que ça s'est passé, en fait. Et puis, tu as une autre information, en fait, qui complète ton information, qui te montre, en fait, que tu vois, ton information, déjà, à la base que tu avais, était ça de l'information. Si ça, c'est l'information, tu as eu ça. Et puis, on te donne ça. Mais quand on te donne ça, tu dis, oui, mais en fait, j'avais rien compris. C'est ça. Et puis, quand on te rajoute encore, tu dis, oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'avais encore rien compris, c'est ça. Et à un moment, tu dis, bon, c'est bon, j'ai compris, en fait. Faut juste attendre. Ça vient, ça vient, ça vient, mais commence pas à te dire que c'est ça. Parce que après, tu verras que c'est encore, au plus que tu évolues, tu as une meilleure compréhension des choses et tu comprendras les choses toujours. Toujours plus loin, toujours plus loin, toujours plus en profondeur en fait. Je dis plus loin, mais c'est en profondeur. Mais bon. Bref. Et j'allais dire quoi? Donc déjà pour cultiver, si au lieu de chercher ce qu'on est en train de faire, ce que tous les scientifiques, on va dire, sont en train de faire actuellement sur la nourriture et ce que déjà en Amérique, il y a sur la nourriture, je ne sais pas si tu es au courant, tout ce qui se passe sur la nourriture, les graines qu'on ne peut pas replanter, les ceci, les cela. Si on allait un peu regarder au passé comment eux ils faisaient, je crois qu'on apprendrait beaucoup en fait. Et déjà, je sais que s'il y a des pauvres, c'est pour ça qu'il y a des riches. Mais bon, on pourrait déjà beaucoup changer la balance en regardant ce qui s'est passé dans le passé au lieu de chercher l'avenir. Parce qu'on dirait que là-bas, ils avaient déjà compris certaines choses. Juste pour ça, déjà. Tu peux aller vérifier, tu pourras tout aller vérifier. Les anciennes, comment ils cultivaient, qu'est-ce qui se passait, comment ils étaient connectés avec la nature et tout ça. Voilà. Donc, je vais continuer. Il y avait aussi des constructions qui résistent à des séismes. Donc, déjà, toutes leurs constructions-là, elles résistent à des séismes. La pyramide d'Égypte a résisté à trois grands séismes. Comment c'est possible? Attends, une construction qui résiste à des séismes à ce temps-là, fait de cette manière-là. Bref, pour te dire que si tout ça c'est le hasard, comme je t'ai dit, Eden Hazard, lui, doit s'en prendre tout plein la gueule. Hein. Eden Hazard, c'est une blague, mais beau. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu en penses, toi? Tout ça encore un hasard? Ah oui, il sculpte et fabrique de manière qu'on ne sait pas encore reproduire, en fait. Même leur sculpture, même certains vases qu'ils ont. Certains objets qu'ils avaient ce temps-là, on ne sait pas le reproduire actuellement. Ils soignaient même des gens, on a retrouvé des. Je ne sais pas comment on appelle ça. Tu sais comment on appelle ça, les trucs que les docteurs utilisent là pour faire des chirurgies et tout ça. Les scalpels, je crois. Oui, tu vois, les scalpels et tout ça. Voilà, ben ils les avaient déjà dans ce temps-là. Comment c'est possible? C'est de la roche qui est tellement dure qu'on utilise toute une machine pour pouvoir créer le scalpel. Je ne sais pas si tu te rends compte. Il faisait comment? Dis-moi, laisse ton imagination. Comment ils auraient pu Mais alors ça, je suis incapable de te le dire, mais vraiment, faire? vraiment. Même en laissant ton imagination. Même en Et mon laissant image. imagination, mais faut que tu m'aides là. Mais franchement, pour arriver là, il y a des effets, fais tes propres recherches, en fait. Je vois pas pourquoi c'est moi qui va te donner. Non, parce que quand. Non, non, justement, si c'est moi qui donne les réponses, ça va être un peu. Ouais, Pas mais j'ai bon. vraiment très envie de savoir quoi. Oui, mais tu trouveras. T'inquiète pas, justement. Celui qui a très envie de savoir trouve. Si moi, je te donne la réponse, c'est trop facile. Je vais Ok, donner toutes d'accord. les réponses, je vais te balancer toutes les réponses. Elles vont juste rentrer et qu'est-ce que tu vas en faire? Regarde, je On crois pas que verra toi-même. la Voilà, prochaine. tu vas les découvrir. T'inquiète. Bon, et à part ça. J'allais parler aussi de. Oui, je voulais un peu qu'on parle de tout ça. Explique-moi. On va parler un peu de tout ça. De tout ce qu'on vient de discuter là? Oui. Et de tout ce que tu as un peu vu sur,
sur les pyramides exactement. T'as vu que les pyramides ou t'as vu un peu ce qui se passe aussi dans l'île de Pâques? Ouais, voilà, j'ai vu aussi, en fait, j'ai vu la première partie qui dure 50 minutes. Et donc, j'ai vu avec ce qui s'est passé sur l'île de Pâques, j'ai vu au Japon, j'ai vu dans tout, partout dans le nord de l'Afrique. Et ensuite, que tout se rassemblait, que tout était aligné, que tout avait déjà été calculé. Oh, J'ai arrête, t'as vu Ouais, ça aussi. Oh et là je vais regarder le reste après, en fait, après l'émission. là Non, ben c'est parfait, c'est parfait. Ça, c'est déjà magnifique. Ben, pour te dire comment c'est possible, ça, quand même. À ce temps-là, est-ce qu'ils étaient connectés? Ils savaient ce qu'ils faisaient ou pas? Comment s'aligner déjà? Ouais, c'est clair. Parce que si on se rappelle bien, ce temps-là, on n'avait pas encore découvert l'Amérique, déjà pour commencer. Oui. OK. Mais après, on dit qu'on a découvert l'Amérique et qu'il y avait des Indiens là-bas. OK. Les Indiens d'Amérique. Mais bon, Mais OK. même leur écriture sont presque pareilles. Comme tu disais pour les momies, la façon de tous les momies, genre ils avaient la même culture, la même connaissance en fait. Et je sais pas, c'est. Mais ils faisaient comment alors pour se voir? Ah, je me pose la question, bien, ils avaient des téléphones. Non. Ils s'appelaient peut-être, ils avaient des téléphones, ils appelaient son frère là-bas ou Justement, quoi. ils tournaient tellement, tellement, tellement là, le petit bâton dans le pneu là, qui va super vite avec leurs énergies, qui partent. Tu vois déjà ça. Franchement, pour trouver cette réponse, magnifique, déjà magnifique, mais on va dire c'est, encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est déjà bon, hein, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ne vais pas faire celui qui sait exactement ce qu'ils avaient, c'est ma Pour propre les pierres, connaissance des choses. pour les pierres, c'est pas possible. T'as dit quoi? Pour les pierres, Oui. rien que pour les pierres et tout, comment on sait, comment c'est pas Comment ils possible. les ont transportés? Ouais, tout ça. Et le temps que ça a dû prendre. Rien que déjà, la pyramide d'Égypte, on dit que ça a pris 20 ans. Ouais. Oui, c'est Ça ça. doit se trouver par ici. 2 minutes. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui, donc 20 ans. 20 ans, ça a pris 20 ans. Donc 20 ans, ils ont dû travailler 12 heures par jour, 365 jours par an. Donc, et ils ont déplacé 2 millions de blocs. Si tu fais le calcul, ça fait qu'ils ont dû transporter chaque bloc de plusieurs tonnes à chaque bloc toutes les... Non, pardon, ils ont dû tailler, sculpter toutes les roches en 2 minutes 30 pour pouvoir construire donc la Ça. pyramide en 20 ans. C'est possible. Tu regardes la roche, tu regardes comment tout ça là. Est-ce que c'est possible? En 2 minutes 30, en 20 ans. C'est pas Il faut possible. 2 minutes 30, hein, Pas en possible. calculant 12 heures par jour. 365 jours. C'est impossible. Tu vois, c'est tout simplement impossible. Rien que ça, sculpter cette roche, déplacer cette roche. C'est. Déjà, ils ont fait. Il y a même eu des. Comment ça s'appelle? Il y a eu des. Ils ont essayé de faire la même chose, en fait, pour savoir combien de Ouais, temps ça a dû prendre, qu'est-ce qui s'est passé. Et si tu remarques bien, déplacer une colline, déplacer une colline. Déplacer une colline. Et déjà, la déplacer en morceaux. Hein. Tu comprends le truc? La déplacer en petits morceaux bien sculptés. Chaque bout est différent l'un de l'autre. Mais bon, après, on les amène à un autre endroit, à 900 km de loin, et des fois des milliards de kilomètres. Pas des ouais, milliards. ça mettait Milliers beaucoup de plus de temps. kilomètres de loin. Des milliers de kilomètres de loin pour pouvoir bâtir quelque chose avec. Moi, je me demande vraiment quelles connaissances ils avaient. Ils savaient soulever des objets, ils savaient sculpter, je sais pas, comment ils avaient des machines, ou une autre intelligence, une autre compréhension des choses. Ils pouvaient utiliser les énergies, les vibrations un peu plus subtilement, Tu justement. penses qu'avec tes énergies, tes vibrations, tu pourrais réussir à faire bouger une pierre, un rocher? Oui, logiquement. Et quand je dis logiquement, c'est déjà logiquement de les scientifiques actuellement, ce qu'il y a sur Terre, ce que les gens pensent sur Terre, oui. S'il suffit de faire des recherches, il y a des recherches qui font qu'on peut soulever des objets grâce aux électromagnétismes. Mais à ce point-là, ce poids-là, je ne crois pas qu'il y a des preuves qu'on puisse le faire actuellement. C'est impossible pour Peut-être le qu'ils moment. étaient à 3, 4 pour
se connecter et se connecter à... Je sais pas. Dis-moi, de qui tu parles? Pas trop loin, je crois. Non. Tu vois ça, c'est, tu vois, c'est ton âme qui parle. Tu laisses parler, ça parle. Mais tu vois, tu sais de quoi tu parles. Mais de quoi tu parles? C'est le monde vers descendre sur Terre, de quoi tu parles? Ouais, j'avoue. Mais tu vois, mais pourtant, tu sais de quoi tu parles. Tu vois, déjà, on cherche loin. Scientifique cherche trop loin. On cherche tout à l'extérieur de nous, alors que peut-être on a la réponse à l'intérieur de nous. Peut-être que tout est là, tout a toujours été là. On ne s'en rappelle juste pas. Ou il faut faire quelque chose pour s'en rappeler. Non, il ne faut pas faire quelque chose pour s'en rappeler. Il faut juste s'en rappeler. Et pourtant, tout est là. Et voilà. Je voulais qu'on parte un peu plus aussi dans les précisions. Mm-hmm. Donc, de parler un peu, comme on est toujours dans Dieu, ange, Dieu ou créateur, énergie ou conscience, c'est toujours ça, hein, si tu remarques bien, on est toujours là. Je parle mm-hmm. toujours de la même chose. J'ai commencé en vous parlant des vibrations qu'on ne voit pas, je vais dire comme ça. Et puis, j'ai parlé des vibrations qu'on voit, ce qu'il y a là actuellement. Et aujourd'hui, on a parlé des pyramides un peu, de ce qu'il y a actuellement, construit, palpable, que tu peux voir, toucher, tout ce que tu veux, ici autour du monde, qui sont là. Les gens en parlent, on peut les voir dans les documentaires, on peut les voir partout. Et dans l'émission suivante, je vais rentrer en fait un peu plus en précision. On va essayer de parler un peu de ces civilisations-là. Qu'est-ce qu'ils savaient plus précisément? On a parlé du cultivé, j'ai parlé de donc des hiéroglyphes, les idéographiques, comment ils bâtissent, comment ils sont en train de ces bâtisseurs-là, comment ils ont bâti ces constructions. On a parlé des écritures ou des dessins qu'ils expriment, de momifier leur corps, des calendriers, des cycles et des équinoxes, des calendriers du temps. Mmh. Des concepteurs, la technologie qu'ils avaient, le savoir qu'ils avaient en astronomie, justement, aussi, des manières de cultiver et comment leur construction résiste au séisme et tout ça. On va aller encore même plus en précision, je rentre encore plus en précision. Aujourd'hui, je ne voulais pas trop en parler, c'est juste donner la curiosité encore une fois, ouais. Et on rentre un peu dans le sujet pour comprendre que c'est quelque chose de très important. Très important, puisque c'est là, c'est pas là pour rien, c'est aux yeux de tout le monde. Tout le monde peut aller avoir des informations là-dessus. Tout le monde. Et c'est là. Et la semaine prochaine, on va parler plus précisément de ces civilisations-là. Qu'est-ce qu'ils connaissaient exactement? On parle de, on dirait que tu, comme tu as dit, on est descendu en évolution, au lieu de monter en évolution. Même monter, descendre, ça n'a rien à voir, mais bref, on va dire ça comme ça. Et pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils savaient alors? Si c'est le cas, qu'est-ce que eux faisaient? Qu'est-ce que eux savaient? Tu vois? Juste, on va déjà rentrer un peu là-dedans. On va juste en parler un peu. Qu'est-ce que savaient? Qu'est-ce que faisaient? Avant que je puisse passer à autre chose et rentrer un peu plus précisément dans ce que c'est l'ego, ce que c'est qui nous sommes exactement, en fait. Je ne vais pas vous donner toutes les réponses, hein, mais je vais encore une fois, je vais t'ouvrir toutes les portes pour pouvoir t'expliquer tout ça et que tu puisses avoir une compréhension un peu plus précise par rapport à tout ça, en te donnant aussi les 7 lois. Et je suis toujours à la première loi, transmutation mentale. C'est toujours le cas. Hein. On est toujours en train de transmuter le mental jusqu'à ce qu'on va passer au suivant. Mais à part ça, on va quand même s'arrêter là, hein, Mélodie, pour ne pas faire trop long. Ça marche. Très bien. Et je te souhaite quand même une très bonne journée. Et suis, hein, cherche, fais des petites recherches et tout ça. Comme ça, voilà. Comme ça, tu t'auras l'épreuve toi-même. Cool. Et un jour, tu iras en vacances et tu pourras même toucher les outils. Voilà. Ben, à part ça, je te remercie encore. Attends, un petit instant. Et voilà. À part ça, je te remercie. Et on va se dire quoi, non?
au prochain épisode. Un gros bisou. Hein. If we want to change the world, we must first change the media. Mainstream media exists for the purposes of indoctrination and manipulation of public perception. The world of free and independent media is growing, and with the upsurge in information now available in the public domain, it has never been easier to access free and independent media. The exploration of this information resulted in an experimental project which would provide a fully supported space for researchers, whistleblowers, and seekers of all kinds to express themselves and educate the world. On the 1st of January 2015, Conscious Consumer Network was launched to the world. Nobody thought we would make it this far, but CCN is the longest running free and independent media network of its kind. CCN is a unique collaboration of hearts and souls, bringing you information from different perspectives to educate and inform. Since we started CCN, we have had only one desire, the pursuit of a free, fair, just, sustainable world, and this has not changed. Having overcome many challenges over the last 2 years, CCN is here to stay, and we've got great things lined up for 2017. Help keep CCN on the air by supporting the 2017 Network Support Fund.